Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc un petit upgrade sur la Tamiya. Je voulais vous montrer parce que moi au début cette pièce là je l'avais pas connue tout de suite. Je l'ai vue là récemment en traînant un petit peu sur les forums. Je savais pas qu'il existait ça sur les TT02. Parce qu'en fait le gros problème que j'ai eu, bon pourtant j'ai pas roulé beaucoup hein, comme je vous disais, j'ai toujours pas eu le temps. J'ai toujours pas pu à cause du temps surtout. Le gros problème c'est que tout rentre dans le châssis, c'est impressionnant. J'ai roulé deux fois 10 minutes, en 10 minutes de temps, j'ai le châssis qui était plein d'eau. Alors qu'il pleuvait pas, enfin la route était juste mouillée, j'avais plein de cailloux partout. C'était un peu la galère quoi je trouve pour 10 minutes. Donc je me dis en TT ça va être autre chose quoi. Donc j'ai vu sur les forums qu'il existait enfin, une petite protection de châssis à mettre par-dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, je vais pas faire tout le montage tout de suite, là, je déballe juste comme ça pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et moi en fait si vous voulez ce truc là je l'avais trouvé au début sur eBay, mais bon le problème de eBay c'est avec les frais de port. Et là après par contre j'avais vu une boutique sur eBay qui vendait ça pas trop cher avec les frais de port. Et j'ai trouvé une boutique en France qui venait de le rentrer en nouveauté pour le même prix, et peut-être pour un euro de plus on va dire. Donc bon par contre sans les frais de port. Je dis des bêtises, avec les frais de port ouais, ça me revenait à 1€ de plus que sur eBay. Donc j'ai préféré le commander en France, donc, moi je l'ai eu en deux jours quoi. Désolé pour le bruit, ça a peut-être claqué. Donc là le châssis, donc en fait là il y aura les petites découpes à faire pour mettre à ce niveau là, en garde-boue. Hein. Et après donc ça, alors je pense que dans ce sens là, ça viendra se mettre comme ça dessus en fait. Une fois que la découpe sera faite. Donc voilà donc la petite notice. Ok voilà il parle pour les surfaces, il faut regarder un petit peu ça. Par contre c'est tout en anglais. Donc là dedans on a une petite vis pour accrocher les garde-boue. Donc ça doit être pour le bouton du récepteur mais bon. Pas trop compris, même dans le kit Tamiya ils ont mis un truc pareil mais enfin je vois pas de récepteur aussi gros quoi, sur quoi je pourrais mettre ça. Donc avec il y a le velcro pour attacher sur les côtés, c'est ça qui m'a pensé parce qu'au début je pensais que c'était juste posé comme ça ou qu'il fallait se débrouiller ensuite pour le fixer, mais en fait pas du tout, il y a un velcro à mettre de chaque côté, donc là et là, donc sur la carrosserie aussi, enfin sur le châssis, et ensuite vous venez mettre votre velcro dessus pour que ça tienne, et les autocollants qui servent pas à grand chose comme dans la voiture, enfin comme avec la voiture. Donc voilà, bah je vois pour faire ça tout de suite et puis je mettrai la suite après sûrement. Bon, plus tard. Donc voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc voilà ce que ça donne depuis l'extérieur. Bon bah, on voit pas grand chose. Hein. Je pensais que ça se verrait plus au niveau des passants de roue en fait, vu de profil, mais en fait pas du tout. Donc par contre, moi j'ai dû quand même mettre les hexagones pour élargir les trains. Enfin, je vous expliquerai pourquoi après. Hop. Donc, voilà ce que ça donne de l'intérieur. Donc ça protège plutôt bien l'ensemble au final. Bon, je pense que devant il y a peut-être un peu de saleté qui va rentrer quand même juste à ce niveau là à mon avis en tournant les roues. Je pense que ça risque de passer un petit peu quand même voilà, pour l'arrière. Donc le seul truc qui m'inquiète un petit peu moi c'est au niveau de la chauffe moteur parce que là ça fait un peu condensé, enfin il n'y a pas beaucoup d'aération, enfin il n'y en a pas du tout à part là derrière, donc je pense que ça doit faire un petit flux d'air quand même qui passe dedans. Après est-ce que c'est suffisant pour refroidir le moteur, donc jusqu'à maintenant enfin, sur ce que j'ai vu sur les forums, ça n'a pas l'air de gêner. Mais après, est-ce qu'on a la même utilisation du véhicule aussi, bah, ça, on verra à l'avenir quoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour enlever, rien de plus simple. Il y a juste à tirer, hein, c'est juste donc, du velcro collé dessus, de chaque côté. Voilà pour les passants de roue. Donc bon, c'est plutôt bien foutu. Enfin dans le concept je valide. Après, avoir en utilisation, bien sûr. Mais pour l'instant c'est plutôt bon. Je pensais que ça aurait pu se bloquer avec le radiateur aussi du moteur, mais en fait pas du tout. Ah. Par contre c'est ça qu'il faut faire attention quand vous le mettez, il faut bien passer un antenne dedans.
Hop. Donc moi le trou d'antenne j'ai fait un peu plus large parce que j'avais tendance à pincer le fil qui ressort. Donc j'espère que ça ira. Et donc en fait, donc voilà pourquoi j'ai mis les hexagones un peu plus larges. C'est qu'au niveau. Alors je sais pas comment on va voir ça. C'est que là en fait au niveau du. Entre la roue et la protection, en fait, j'étais vraiment à fleur. Donc là au moins ça m'a décalé quelques millimètres. Mais c'est surtout le côté droit qui est plus décalé, je vois. Après, peut-être mettre un coup de, comment ça s'appelle, de velcro en plus sur ce côté-là, si je peux. Mais une fois qu'il est mis, en fait, il ressort légèrement là sur le côté, on voit. Donc ça fait un petit bec. Mais bon, là avec l'hexagone, ça devrait pas gêner la chose. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt.